La louange à Allah, Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes. Et la paix et le salut sur la meilleure personne de l'existence, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire à l'apparition du croissant qui marque le début du mois de Rajab et celui qui marque le début du mois de Sha'ban, où Allah bénit pour nous les mois de Rajab et de Sha'ban et fait nous vivre le mois de Ramadan. Pour ce qui est du mois de Sha'ban, il est le 8e mois de l'année lunaire. Il se situe entre deux mois très importants, le mois de Rajab et le mois de Ramadan, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prête à ce mois une attention particulière et lui accorde une grande importance. C'est un mois au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adonnait à un jeûne surérogatoire presque permanent au point qu'au bon nombre de ses compagnons lui ont posé plusieurs questions à propos du mérite de jeûne en ce mois. Selon Oussama ibn Zayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner certains jours d'affilée à tel point que nous pensions qu'il ne s'arrêterait jamais de jeûner. Et il mangeait certains jours d'affilée à tel point que nous pensions qu'il ne jeûnerait plus jamais. Si ce n'est le 2 jours de la semaine qu'il avait l'habitude de jeûner. Il n'est pas un mois où il jeûnait plus de jours que le mois de Sha'ban. Oussama a dit ça. Il n'est pas un mois où il jeûnait plus de jours que le mois de Sha'ban. Je lui ai dit à ce sujet, ô messager d'Allah, tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne le rends pratiquement plus. Tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne le rends pratiquement plus. Et tu interromps le jeûne à tel point que tu ne t'y consacres pratiquement plus. Ô messager d'Allah, tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne le rends pratiquement plus. Et tu interromps le jeûne à tel point que tu ne t'y consacres pratiquement plus. Si ce n'est le 2 jours de la semaine que tu consacres séparément au jeûne. Quels sont ces 2 jours? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quels sont ces 2 jours? Oussama a dit, le lundi ou le jeudi, au cours de ces 2 jours, le jour, les œuvres lui sont exposées au Seigneur de l'univers, exalté soit-il, et je mettrai en état de jeûne lorsque mes œuvres lui sont exposées. Je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Sha'ban. Oussama a dit ça. Je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Sha'ban. Les jeunes oublient ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Les jeunes oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Les jeunes oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Les jeunes oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. C'est pourtant le mois au cours duquel les œuvres montent vers le Seigneur de l'univers. Exalté soit-il. Et je mettrai en état de jeûne lorsque mes œuvres montent jusqu'à. Ce hadith est rapporté par Ahmad et An-Nasa'i. C'est trop cru de sens de jeûne chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de ce mois. Et aussi confirmé par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Aïcha a dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois en entier à part le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais jeûné. Et je ne l'ai jamais vu jeûner facultativement au cours d'un mois comme il jeûnait au cours du mois de Sha'ban. Et dans une autre version, il jeûnait Sha'ban hormis quelques jours. Regardez, le prophète sallam jeûnait Sha'ban hormis quelques jours. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc la faveur de jeûne en ce mois, très immense.